Bonjour, aujourd'hui on va voir l'ensemble des missions d'un bureau d'études techniques génie civil. Si vous êtes étudiant, ingénieur, technicien ou bien chef d'entreprise et vous voulez maîtriser les étapes et les tâches pour réaliser un projet de génie civil de A à Z, donc vous êtes dans le bon endroit. Pré-études ou bien phase chiffrage. C'est la première phase d'études. Il s'agit de proposer des variantes et de les vérifier pour estimer le coût de projet. Étude de conception, c'est la phase la plus importante. Vu le nombre des allers-retours entre le bureau d'études, le bureau d'architecte et le client, vers la fin de cette étape, nous aurons la conception retenue. Étude de dimensionnement, c'est la partie la plus technique. L'ingénieur structure doit dimensionner et optimiser l'ouvrage. Les techniciens font sortir les plans d'exécution. Après validation de ces livrables, c'est-à-dire les plans et la note de calcul, l'entreprise finalement pourra commencer les travaux. Le bureau d'études doit toujours intervenir pour réceptionner l'ouvrage lors et après leur exécution. Suite à un nombre de visites de réception et de contrôles programmés par le maître d'ouvrage.